Eh bien, dis donc, changeons d'ambiance. Donc, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. On a vu pas mal de sujets aujourd'hui, des sujets techniques très pointus, des méthodes de travail, des retours d'expérience, des choses qui concernent le côté pro de notre vie. Ce soir, on a voulu vous proposer un autre aspect, c'est mettre un peu en avant les membres de notre communauté, mais sur un... Donc peut-être un peu plus perso. Donc c'est la première fois qu'on organise, ce sont des histoires extraordinaires. On va vous proposer trois talks, trois histoires personnelles, avec un angle différent, avec Baptiste, Lilou et Fred, qui vont vous parler un peu de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu. C'était l'occasion aussi de partager un peu avec les personnes qui vont nous regarder en rediffusion, les échanges qu'on peut avoir lors du forum, en dehors des conférences. Donc on va commencer avec Baptiste, qui va nous parler d'une expérience très personnelle. Je cherche le titre. Mais ça ne se voit pas. Donc il va nous faire un petit retour sur une expérimentation sur les théories de la conscience. Baptiste, ouais. C'est à toi. Merci. Du coup, mon histoire commence il y a un peu plus de 30 ans. Qui commence à la campagne où j'ai grandi, un endroit idyllique pour grandir, plein d'espace, plein d'animaux. Mais à l'âge d'un an et demi, en fait, j'ai échappé à la surveillance de la personne qui me gardait, et je suis allé vadrouiller dans le corps de ferme où j'étais, et je me suis retrouvé à passer à côté d'un tracteur qui fonctionnait. Et la personne qui manœuvrait m'a pas vu, et globalement je me suis pris une roue de tracteur dans la tête. Et du coup, quand la personne m'a vu, ça a été le branle-bas de combat, et donc il a fallu m'emmener aux urgences. Et c'est comme ça qu'à un an et demi, j'ai fait mon baptême de l'air en hélico. Bon, par contre, je m'en souviens pas, donc ça c'est pas bien grave au final. Et arrivé aux urgences... en fait, ils n'avaient jamais vu un cas comme le mien, à tel point qu'ils ont mis 2 semaines en fait avant de pouvoir m'opérer. Et j'ai appris aussi bien plus tard que pardon, je suis stressé que si j'avais eu cet accident, ne serait-ce que 2 semaines plus tard, ça m'aurait tué sur le coup. Et donc, du coup, c'est un accident qui a pris une bonne partie de ma vie. Et à tel point qu'en grandissant, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, parce que il y avait toujours ce truc-là qui était présent. Et en fait, l'opération que j'ai pu avoir quand j'étais gamin, en fait, ils ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient. Il fallait attendre la fin de ma croissance avant de pouvoir finir. Faire les autres opérations qui étaient nécessaires. Et du coup, à mon adolescence, en fait, j'ai dû planifier, en fait, trouver des chirurgiens pour planifier les opérations que je devais faire. Et du coup, dans le lot, je suis tombé sur un chirurgien qui avait un des mêmes problèmes que moi. Lui, c'était à cause d'un accident de rugby. Mais il n'a jamais voulu se faire opérer parce qu'il n'avait pas confiance en ses collègues. Donc autant dire que j'ai pas eu confiance en lui et je l'ai pas choisi. Mais du coup, je suis retourné voir le chirurgien qui m'avait opéré quand j'étais gamin. Et du coup, on a planifié en fait les opérations que je devais faire pendant les étés entre mes années d'études, donc après mes 18 ans. Ce qui fait que j'ai passé quasiment tous mes étés sur un lit d'hôpital et en convalescence derrière. Et pendant cette période-là, pendant ces années d'études-là, on m'a fait découvrir aussi le VTT de descente. Et une de ces années-là,
J'ai fait une chute qui en soi n'était pas très importante, mais il a fallu que je me fasse opérer en urgence parce que j'avais quand même un problème. Et ça, cette chute a révélé que j'avais un problème et qui aurait posé problème pour l'opération qui était prévue cette année-là et qui aurait dû être en fait annulée en plein milieu de l'opération. En sachant que c'était déjà ça devait être une opération de 6 heures qui était prévue cette année-là. Donc, bon, ça aurait été dommage de s'arrêter au bout de 3 heures, quoi. Et du coup, bon, au final, un accident peut avoir du bon. Et du coup, les opérations que j'ai eues étaient relativement importantes, celles que je devais faire à ma majorité. Et du coup, après les opérations, pour gérer la douleur, j'étais souvent sous morphine. Et donc, au retour en chambre, globalement, j'étais tout seul dans ma chambre. Et quand on est sous morphine, globalement, on ne peut pas faire grand-chose. Et une des premières opérations, j'avais le bip de l'électrocardiogramme à côté de moi qui avait tendance à m'agacer. Mais bon, je ne pouvais pas éteindre la machine, quoi. Et la seule chose sur laquelle j'avais le contrôle, en fait, c'était ma tête. Et ce que j'ai essayé de faire, du coup, c'était de ralentir mon rythme cardiaque pour que la machine bippe moins souvent et m'agace un peu moins. Et en fait, j'en suis arrivé à un point où je réduisais le rythme suffisamment bas que je me voyais en fait tomber dans les pommes. Et c'est là où mon cerveau a décidé de m'envoyer une bonne grosse décharge électrique dans le thorax, histoire de bien me réveiller. Et ça m'a tellement fasciné en fait que j'ai voulu reproduire en fait d'autres expérimentations comme ça après coup. Genre par exemple, j'ai essayé aussi de faire croire que j'avais plus de bras gauche à mon cerveau. Et oui, c'est un peu bizarre. Et j'ai réussi parce que et le résultat à la fin c'est le même que pour le rythme cardiaque, c'est que ça vous balance une énorme décharge pour s'assurer que le membre est toujours là. Et du coup en fait pareil ça m'a fasciné et en fait j'ai voulu reproduire plein d'autres expérimentations comme ça. Bon c'est les deux seules fois où je me suis pris des décharges. C'est marrant mais bon ça fait quand même mal. Et de fil en aiguille en fait à faire des expérimentations, à rechercher sur le sujet, sur ce qui se passe et tout ça, je suis tombé sur les travaux d'un neuroscientifique qui s'appelle Antonio Damasio, qui a écrit tout un tas de bouquins et qui a produit une théorie justement de la conscience et qui a fait en fait, enfin qui faisait écho à toutes les expériences, enfin beaucoup des expérimentations que j'avais faites. Et du coup, je me suis mis sur la voie d'essayer de vouloir prouver en fait une partie, tout du moins de ces de ça m'a troublé de ces théories-là qu'a produit cet homme-là et du coup c'est comme ça que grâce au final à un accident que j'ai eu quand j'avais 1 an et demi je me retrouve à avoir trouvé ce que je voulais vraiment faire de ma vie quoi. Voilà. Merci. Waouh. Merci Baptiste. Une expérience un peu étonnante quand même, non? N'hésitez pas à discuter avec lui après, à l'occasion de la soirée communautaire. Ouais. Merci Baptiste. Pour le deuxième sujet, on va passer par, je pense, peut-être notre plus jeune conférencière. 16 ans, je pense que c'est un record battu. J'espère en Ça tout va. cas. Du coup, Lilou va nous faire un petit retour d'expérience. En fait, elle a un papa qui fait des conférences, et du coup, elle va nous faire un retour d'expérience de ce que c'est que de vivre avec un papa qui fait une conférence sur le voyage et le télétravail. Oui. À toi, Lilou. Bonsoir à tous. J'aimerais vous raconter du coup l'histoire de ma vie. Internet en a bouleversé pas mal. Moi, ça m'a permis d'apprendre sans aller à l'école, en voyageant en famille. Il y a 8 ans, mes parents ont voulu essayer une nouvelle façon de vivre. Entre apprentissage et voyage, j'ai adoré chaque minute de nos aventures. Ça suscite autant de craintes que d'envie, et on me dit souvent que c'est une chance, une histoire extraordinaire. Alors, laissez-moi vous la raconter. Mon premier voyage a débuté dans ma chambre avec Il était une fois. Ce qui est incroyable avec les personnages du roman, c'est qu'ils sont toujours fantastiques, même quand ils n'ont rien pour eux au début,
et qu'ils vivent des aventures banales. Mon deuxième voyage, beaucoup plus réel, a duré plus de 8 ans. Il m'a permis de vivre des aventures peu banales, mais malheureusement, je n'ai rien d'extraordinaire. Après mon CE1, je pensais partir pour de grandes, grandes vacances. Je ne pensais pas que ça allait changer ma vie. Nous avons vécu entre la France et l'étranger, à mi-temps, pendant les 8 dernières années, et dans une dizaine de pays d'Europe, et aussi au Maroc, au Vietnam, en Équateur et au Panama. Bien sûr, il y a eu des expériences incroyables. Nous avons vu des baleines et leurs petits danser dans le Pacifique, croiser un requin-baleine, des dauphins, des tortues marines, des milliers de colibris, des tas de bestioles bizarres en Amazonie, des rennes complètement bourrées après une orgie de pommes fermentées. Nous nous sommes immergés dans les cultures locales en participant à des fiestas espagnoles, en allant écouter de la musique dans des pubs irlandais ou ailleurs, de la battle de rap à la flûtandine. Ma salle de classe s'est transformée au gré du vent. Une maison troglodyte dans un décor de western, une cabane dans les arbres, un banc dans un parc, une cabane de pêcheurs, plein d'endroits différents. La cantine aussi a parfois été surprenante, de la tagine de dromadaire, des sauterelles grillées, des animaux que nous avons vus rôtir sur la route, de la chèvre au cochon d'Inde en passant par le chien et le cochon. J'avoue, j'ai parfois passé mon tour. Sur la route, il y a plein de rencontres extraordinaires, des gens qu'on n'a plus envie de laisser derrière. Tous ces moments partagés, ça crée de magnifiques souvenirs. Et puis, il y a aussi les rencontres, disons, plus étranges. Il y a aussi forcément eu les galères. La voiture fracturée, les papiers volés, les petites arnaques, les problèmes de logement, le chat agressé. Oui, on a aussi voyagé avec notre chat. Les douches froides, quand il y en a. La fatigue, quand on est trimballé pendant des heures sur des routes défoncées ou quand on dort à 5 dans une tente de 4 mètres carrés. Mais c'est plus grand qu'un banc quand un bus nous a déposé à 4 heures du mat sur nulle part. Bref, on ne compte plus le nombre de vêtements raccommodés, de chaussures trouées ou de coupes de cheveux douteuses. Quand j'ai commencé à partir à la découverte du monde, il est devenu ma salle de classe, mon terrain de jeu et ma maison. Je n'ai jamais remis les pieds à l'école, mais je sais que j'apprendrai toute ma vie. On m'a poussée à toujours approfondir ce que j'aime et à garder une curiosité pour les sujets qui me passionnent moins. Les périodes en France, nous avons exploré plein de sujets différents. De la géologie à la lecture, en passant par l'ornithologie et la cuisine. Et puis, en voyage, j'ai vécu des sorties scolaires originales. M'entraîner à l'expression orale sur un forum PHP, assister à des cours à l'université, cuisiner des plantes sur un feu de camp ou construire des murs en pierre ou en terre. J'ai appris l'anglais, l'espagnol et l'italien en parlant avec les gens. J'avoue que ça a été un peu plus compliqué avec le latin, même en testant une expérience paranormale. Quand j'ai commencé à créer des personnages pour écrire mes histoires, je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre ma vie et celle des autres. Et j'ai pris conscience que le choix de mes parents m'a donné une vision complètement différente du monde qui m'entoure. J'ai vécu des rencontres différentes de celles que j'aurais faites à l'école. J'ai rencontré beaucoup plus d'adultes que d'enfants de mon âge. Et il y a eu les rencontres éphémères. Les gens que nous avons croisés une après-midi, avec lesquels nous avons joué de la musique, ou joué sans parler, ou qui nous ont accueillis quelques jours. Et puis, il y a aussi les gens qui font que je me sens un peu partout chez moi, et qui seraient prêts à m'accueillir n'importe quand. Avec mon frère et ma sœur, on n'a pas peur d'aller vers les autres, parce qu'on ne sait pas forcément où on sera demain. Ça nous pousse à poser des questions aussi, et les gens sont contents de partager ce qui fait leur vie. Quand je raconte mon histoire, ça paraît tellement inconcevable que j'ai souvent l'impression qu'on ne m'a pas écoutée. Mais comment raconter 9 ans passés en quelques minutes alors qu'il n'y a pas eu un mois identique? C'est impossible. Étonnamment, ce ne sont pas les expériences que j'ai vécues qui suscitent le plus de curiosité, mais la façon dont je vis au quotidien. Et pourtant, pour moi, le quotidien, c'est banal. C'est juste ma vie. Après tout, qui ne s'est jamais réveillé sur une plage avec le bruit des vagues? Plus sérieusement,
Le quotidien est assez exigeant parce qu'il y a la logistique d'un quotidien normal avec le travail de mes parents, les imprévus. Et puis, il y a aussi les voyages à organiser, nos apprentissages et les diplômes à préparer. Ça fait plein de sujets à traiter en même temps avec des contraintes de temps. Sur la route, on sait aussi qu'il y a plein de moments qu'on ne revivra plus jamais. Alors ça nous pousse à vivre le moment présent, même si il faut sacrifier pas mal de temps pour se reposer. Alors, voilà ma vie. Aujourd'hui, j'ai 16 ans et l'histoire de mon enfance se résume par une grande liberté. J'ai vécu des moments extraordinaires, des galères, des rencontres qui m'ont fait grandir. Je ne peux qu'adhérer à Ubuntu. Pas le système d'exploitation Linux, mais cette philosophie venue d'Afrique du Sud qui dit que tous les êtres humains sont liés les uns aux autres. Ma vie aurait été très différente sans Internet. Alors, merci à vous tous d'y contribuer et merci à l'AFUB de m'avoir accueilli ce soir. Wow. Ben, un grand merci pour ce partage, Elou. Merci. Et ça va être très difficile pour le speaker suivant de faire mieux. Moi, je vais me lever, par contre. Je suis pas bien assis, mais... Fais comme tu veux. C'est un super peu histoire, bravo. Du coup, on va terminer par la conférence de Fred, qui risque de donner envie aux gens de faire plein de choses, je pense. À toi, Fred. Ou pas. En fait, j'ai un mantra dans la vie. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Le regret, c'est quelque chose que l'on n'a pas fait et qu'on ne pourra plus jamais faire. Du coup, on s'en veut. Le remords, c'est quelque chose que l'on a fait et on s'en veut. Dans les deux cas, il y a de la culpabilité, mais dans le cas du remords, on en tire un enseignement. Et j'ai un autre principe dans la vie, on apprend beaucoup de ses erreurs. Il y a quelques années, je dis à mon pote, je voudrais faire l'ascension du Kilimandjaro. Je suis sorti comme ça. Le Kilimandjaro, c'est le plus haut sommet d'Afrique. C'est un volcan qui culmine à 5895 mètres, pratiquement 6000. C'est une ascension facile, il n'y a pas besoin de matériel, de cordes, rien. Il suffit juste de supporter l'altitude. Et en me renseignant, j'ai découvert que c'était souvent des sportifs qui n'arrivaient pas à faire l'ascension parce qu'ils veulent monter trop vite. Et moi, ça m'arrange parce que je ne suis pas sportif. Non, je ne fais pas de trek, je ne fais pas de course à pied, j'ai une lordose. Je fais des balades max une heure et quand je fais du vélo, c'est électrique de préférence. Les amis, la famille qui me connaît bien, ils savent que, voilà, quand je leur parlais de mon projet, ils disaient « Mais... tu t'entraînes, comment tu te prépares physiquement ?» Et à chaque fois, c'était la même chose. Je leur disais, Kilimandjaro, c'est super facile, il suffit juste de savoir marcher. Je fais ça depuis que je suis gosse. Et il y en a un qui m'a fait une réflexion un peu différente des autres. Il me dit, tu devrais faire un test d'effort en hypoxie. Alors, c'est pas bête. Je suis allé à l'hôpital Ponchaillou à Rennes. Là, on vous met sur un vélo. On vous met des électrodes partout, on vous met un masque et on vous envoie un gaz appauvri en oxygène qui permet de vérifier si votre corps supporte bien finalement le manque d'oxygène. Je revois la scène, je pédalais comme un fou déjà depuis quelques minutes sous les consignes du médecin. Puis je commençais à m'essouffler pas mal et à un moment j'ai eu des fourmis un peu partout, un vertige, j'ai failli tomber et ils m'ont rattrapé à temps. Et là, un peu inquiet, je leur dis « qu'est-ce que vous en pensez, je suis un peu limite ». Il me dit, bah, le problème, c'est qu'on n'a pas démarré le test, on n'a pas envoyé le gaz encore. Non, mais c'est pas drôle. Grand moment de honte dans ma vie, hein, clairement. Du coup, je suis remonté sur le vélo, j'ai quand même poursuivi le test, j'ai réussi à aller au bout, ça a été très difficile. Et les médecins ont conclu que j'étais dans la limite acceptable basse. Ils m'ont fait une ordonnance de Diamox, un médicament qui permet de supporter le mal d'altitude. Du coup, génial! Je peux faire mon ascension. Des remords plutôt que des regrets. Avec mon ami, on a bouclé notre expédition en octobre 2019. On a choisi une ascension en 6 jours plutôt que 5 jours pour augmenter les chances de réussite. Nous sommes partis avec 2 guides, 6 porteurs, 1 cuisinier, 1 homme à tout faire.
Bon, ça paraît beaucoup comme ça, mais il faut savoir que là-bas, c'est obligatoire, vous n'avez pas le droit de monter seul. Il faut au minimum un guide et 3 porteurs par personne. C'est la principale source de revenus dans la région. Vous partez de 1800 mètres et vous marchez tous les jours entre 6 et 10 heures. Vous montez à 3000 mètres, vous redescendez à 2005, vous montez à 4003, vous redescendez à 2008. En fait, on fait des yo-yo comme ça pour s'habituer progressivement à l'altitude. En fait, on pourrait monter en une journée. Il y a un chemin qui est beaucoup plus direct, c'est celui qu'on prend d'ailleurs à la descente. Mais là, vous auriez 80% de chance d'y laisser votre vie. La dernière ascension est un petit peu particulière. On part du dernier camp à 4700 mètres pour une ascension de nuit. L'objectif, c'est d'arriver au sommet du Kilimandjaro quand le soleil se lève, avec l'ombre du volcan sur la savane. Magique. Enfin, il paraît. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça pour moi. Déjà, quand on s'est levé à 22h, avec nous s'est levée une tempête. Alors, pas la chaude petite tempête tropicale. Non, non, une tempête de glace par moins 25 degrés. Température ressentie, moins 50. Pour information d'ailleurs, pour bien se protéger du froid, il existe une super technique qu'on appelle la technique de l'oignon. On multiplie les couches de vêtements. Et avec les conseils de mon guide, j'avais 6 couches en haut et 5 couches en bas. Important pour la suite. Donc quand on s'est levé à 22h, visibilité assez mauvaise, mais on voyait un long serpentin de lumière dans la montagne. En fait, malgré la tempête, le Kilimandjaro, c'est quand même l'autoroute, et on était déjà très nombreux à faire l'ascension à la frontale. On est parti, c'est à peu près 6-8 heures de marche normalement, pour le sommet. Et au bout de 4 heures, je commençais déjà à être fatigué. Je me rappelle qu'à un moment, je me suis assis, j'ai voulu m'allonger, et là mon guide il m'a hurlé dessus. « Non, t'allonges surtout pas, c'est dangereux, non !» Une espèce de pression, ça me faisait penser un peu au film, vous savez, quand quelqu'un sur le point de crever, on lui dit « Non, t'endors pas !» C'est pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Il y avait une espèce de stress, on ne savait pas trop dans quoi on était. On est reparti, et une heure après, je dis au guide « Écoute, j'ai un problème. » Voyez-vous, quand on est touriste, il n'est pas rare que notre système digestif supporte mal la gastronomie locale. Le mien était déjà perturbé depuis 2 jours. Là, à plus de 5200 mètres d'altitude, dans une tempête de glace avec un vent à décorner des bœufs, mon organisme réclamait une vidange des égouts. J'étais très gêné. J'étais pas bien, j'étais mal à l'aise. En plus, il y avait plein de gens qui montaient à la frontale. Pas un buisson pour se planquer. J'avais dans ma tête cette petite chanson d'Annie Cordy. Chaud cacao. On n'est pas nombreux à faire cette vanne. Là, mon guide, il m'a dit, tu t'écartes du chemin, t'éteins la frontale, on ne le verra pas. Ah oui, c'est pas bête, j'avais pas pensé. On était de nuit, c'est vrai. Du coup, il fallait quand même que je gère mes 5 pantalons. Et avec mon problème gastrique, j'ai aussi le sens du vent, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vous ai parlé des détails, je vais directement à la conclusion. J'ai remporté cette victoire haut la main. Et puis on est reparti. Et là, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes de mal d'altitude. La dépression. Je pleurais comme un mot. J'étais pas bien, j'étais au bout de ma vie, je pleurais. En plus, j'écoutais de la musique et dans ma playlist, j'avais cette chanson de Sylvie Larsen, « On va tous crever !» Ambiance. Quand vous arrivez sur la crête du Kilimandjaro, vous n'êtes pas au point culminant. Mais vous pouvez décider d'arrêter l'ascension et de redescendre. Et au retour, vous avez un joli diplôme pour dire que vous avez gravi le Kilimandjaro. Par contre, si vous faites 700 mètres sur la crête, vous arrivez au point culminant. Et là, vous avez un joli diplôme doré cette fois-ci. Quand je suis arrivé sur la crête, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je me rappelle, les deux guides se sont tournés. Mon pote, lui, j'irais bien, il s'est tourné vers moi. Il fait, qu'est-ce qu'on fait? On redescend ou on va jusqu'au sommet? Et là, j'en pouvais plus. Je pleurais, j'étais pas bien, à bout de souffle.
Je les regarde, j'y mets. J'ai pas fait tout ça pour m'arrêter à 2 mètres du bol de sangria, bien sûr, on continue. Des remords plutôt que des regrets. Une heure. Il nous a fallu une heure pour faire 700 mètres d'un petit chemin de terre. Comme ça. Et on est arrivé au sommet. Autant vous dire qu'avec la tempête, l'ombre du Kilimandjaro. Mais j'étais content. J'étais fier de moi. Je pleurais. Mais j'étais content. Surtout que je savais que j'avais encore les 700 mètres à refaire dans l'autre sens. Pour après redescendre à 3500 mètres au camp intermédiaire. On a fait notre photo, j'ai cassé la carapace de glace qui était devenue ma capuche. Et puis on est redescendu. Quand on est arrivé au campement, on avait marché 15 heures. J'étais au bout de ma vie et je crois que je me suis endormi instantanément. Quand je parle de ça, on me dit « Waouh, t'as été courageux !» Non, 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 j'ai pas été courageux. J'étais un inconscient qui a eu de la chance, qui a bien résisté. Quand on me dit « Est-ce que t'as des remords ?» J'ai pas de remords, j'ai adoré ça. C'était une super expérience et je vous invite à le faire. Franchement, le Kilimandjaro, c'est magnifique. En plus, je vous ai pas parlé du décor. Par contre, une chose est claire. Ne faites pas comme moi. Préparez-vous un minimum. Des remords plutôt que des regrets. Mais en vie, si possible. Merci. Un grand merci, Fred. En tout cas, j'espère que vous n'avez aucun regret d'avoir écouté ces trois histoires. Un grand merci à Baptiste Langlade. Merci. À Lilou Hullard. Et à Fred Boucherie.